Ce restaurant, la ferme de Bel Air, était un ancien CFA d'apprentissage dont j'étais apprenti. Et quelques années plus tard, donc le CFA est venu à fermer et le maire a cherché à faire un restaurant. Donc je me suis proposé et puis par bonheur, j'ai pu rencontrer un second de cuisine qui était ancien aussi élève de ce CFA. L'idée, c'était de faire des plats d'antan au début. Donc comme la blanquette, le bourguignon, la souris d'agneau, coq au vin, toutes ces bonnes choses que les gens ne peuvent plus faire chez eux parce qu'ils n'ont plus le temps malheureusement. Donc les gens ils viennent ici parce que c'est une ambiance conviviale, sympathique, ils se sentent comme chez eux. Vraiment un bon compromis entre la qualité dans l'assiette et le prix du repas. Nous avons deux salles de 40 couverts, dont une salle pour le restaurant et une deuxième salle qui est réservée donc pour les réceptions, mariage, séminaire, baptême. Nous avons voulu faire une ambiance campagne ferme avec des roues de charrette, des vieilles brouettes dans la cheminée. On peut aussi prendre son apéritif, pourquoi pas, près de la cheminée allumée l'hiver dans la salle de bar. Mon plus gros plaisir, c'est de faire plaisir aux clients. Donc quand un client sort de chez moi en souriant, je suis super heureux.